L'idée, c'était de présenter, à partir de toutes ces disciplines, une synthèse qui explique comment se construit le racisme. Ben, la génétique, elle amène plusieurs choses intéressantes. Elle rappelle qu'on vient tous d'Afrique, il n'y a pas très longtemps à l'échelle de l'histoire de notre espèce. Elle apprend qu'il n'y a pas beaucoup de différences génétiques entre ce qu'on appelle les populations humaines ou les continents. C'est-à-dire, en gros, on n'est pas beaucoup plus différent d'un bout à l'autre de la planète que si vous prenez deux personnes du même village. Et elle apprend aussi quelque chose d'important, c'est que la couleur de peau ne raconte que la couleur de peau. Elle ne dit rien d'autre sur un individu. Elle ne dit pas sur ses capacités morales, ses capacités intellectuelles et ses capacités physiques. Ah, bah, qu'ils viennent voir l'exposition pour qu'ils comprennent un peu d'où vient cette pensée et que du coup, ils soient mieux à même, s'ils le souhaitent, bien sûr, de la comprendre et puis peut-être de changer de point de vue.